Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et bien comme à chaque fois, tout comme au début de chaque mois, et bien je te présente mes créations du mois dernier. Et donc là, je vais te présenter les créations du mois de mai. Et cette fois-ci, j'ai pas battu de record. Non, je me suis calmée. J'ai été mollo, hein, parce que j'ai un petit peu abusé les deux précédents mois. Bon, t'as compris ce que je voulais dire. Aujourd'hui, j'ai que 14 créations à te montrer. Juste 14. Oh, normalement, ça devrait aller vite. Et je n'ai pas fait de bijoux à proprement parler. Là, je n'ai fait que du modelage. C'est-à-dire des petites fées et des petites sirènes. Et puis trois princesses Disney. Ah non, il y en a une, c'est pas une princesse. Bon, enfin bref. Je me suis comprise, alors j'espère que toi aussi t'as compris. Voilà. Donc moi, j'ai que des petites chibis, des petites mademoiselles à te présenter dans cette vidéo-là. J'ai fait que ça pour le mois de mai. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, du coup bah, j'ai rattrapé mon retard. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'avais pas mal de petits cadres en résine dans mon petit tiroir et je m'en servais jamais. Et je commençais à les collectionner, les cadres en résine, je commençais à en avoir un petit peu beaucoup. Donc du coup, bah, là j'en ai profité pour en faisant mes petites mademoiselles pour pouvoir utiliser ces cadres en résine là. Et je m'embrouille toute seule. Hein. Si t'arrives à me suivre, franchement t'es champion. J'en ai parlé sur tous mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram et même là sur YouTube dans le truc privé, non pas privé, comment ça s'appelle? Communauté? Ouais c'est ça. Mais je leur dis là, hein, parce que bah, au moins c'est sûr, et puis comme je le dis souvent, mieux vaut trop que pas assez. Voilà, je me suis inscrite sur TikTok, c'est à cause de mes filles. Oui, je leur jette la faute. Non, c'est à cause de toi. Si? Oui. Si je les voyais faire leurs vidéos là, au début je me foutais de leur gueule, puis après bah, je me suis prise au... Voilà, et j'ai trouvé ça super rigolo en fait. Donc j'ai déjà mis quelques petites vidéos, dont une avec mes filles d'ailleurs, et puis bah voilà, moi j'aime bien, ça m'amuse, alors je vais continuer. Donc si jamais ça te dit d'aller me suivre sur TikTok, et bah, je mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, de toute façon c'est le même pseudo partout. Je mets mon même pseudo partout, comme ça au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Voilà, voilà. Bon bref, du coup, toutes les créations que je vais te montrer dans cette vidéo-là, tu peux déjà les retrouver sur ma boutique. Et ce qui est bien, c'est que ce mois-ci, je n'ai rien eu à poncer. Ça, c'est cool. Parce que les petites mademoiselles, je ne peux pas les poncer. Sinon, je vais tout péter. Parce que c'est très fragile, c'est très fin, c'est très petit. Alors, vaut mieux pas déconner, hein. Parce que je passe beaucoup de temps dessus, donc... Voilà, donc maintenant, je sais pas si tu t'en souviens, parce que je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos où je présentais ce genre de bijoux-là, mais ce ne sont plus que des pendentifs. C'est à toi de choisir le bijou que tu souhaites. Là, c'est juste un pendentif tout simple. On peut le mettre en collier, en sautoir, en rat-de-cou, en porte-clés, en bijou pour vos sacs à main, en bijou pour foulard, enfin bref, tout est possible. Et puis voilà, moi je m'adapte à toi, là pour l'instant c'est juste un simple pendentif, c'est à toi de faire ce que tu veux avec. T'as juste à me le dire et je m'exécute. Voilà. Alors ce mois-ci, pour le mois de juin, attends-toi à avoir deux vidéos par semaine, le lundi et le vendredi. C'est comme ça et pas autrement. T'as pas le choix. Si t'aimes pas, bah tu dégages. Pardon. J'ai été vilaine. Bon allez, j'arrête de parler et je te montre tout de suite mes petites mademoiselles. Voilà, voilà. Donc on commence avec la première, une petite fée sur une petite branche dans un cadre en résine. Je l'ai postée sur mon TikTok, hein, je dis ça, je dis rien. Et pareil, elle est assise sur une branche et sur un cadre en résine. Encore une petite fée, la fée des papillons avec ma canne papillon que j'avais fait en tuto sur mon autre chaîne YouTube. Et toujours sur un cadre en résine, puis j'ai rajouté trois petits papillons autour d'elle. Et il y a une petite breloque papillon qui sert d'attache pour la petite bélière.
même c'est une petite sirène, tout en bleu et transparente. Transparence, en translucide, voilà. Et toujours sur un petit câble en résine. Enfin petit, non, celui-là est très grand. Mademoiselle suivante, c'est encore une sirène dans les tons bordeaux et jaune. Et elle aussi, elle a des petits papillons autour d'elle et une breloque hippocampe qui sert de béliard. Enfin d'attache, voilà, parce qu'il y a la petite béliard au-dessus. Alors, il y a déjà des petites béliards sur certains des bijoux, mais bien évidemment, je peux les enlever. Et sur d'autres, eh ben, je peux les rajouter. Je m'adapte à ce que le client souhaite. Voilà, voilà. Sixième mademoiselle, c'est encore une petite sirène sur un cadre en résine. C'est le dernier cadre en résine que j'ai utilisé ce mois-ci. Enfin, que je vais présenter en tout cas dans cette vidéo-là. Contrairement aux autres cadres, celui-ci, il a un fond en résine aussi. Et il y a une petite tortue qui sert d'attache. Deux suivantes, les deux en même temps, allez hop, deux pour le prix d'un. C'est encore deux petites fées mes petites fleurs lucides, mes petites perles frais préférées. J'adore ces fleurs là. Et du coup moi j'en ai rajouté en bas, à l'extrémité. Voilà. Et elles sont toutes petites ces fées là, elles sont minuscules rikiki. J'ai bien galéré. C'est une de mes petites chouchoutes, je l'adore, c'est parce que j'ai trouvé ça super mignon. J'ai fait une petite sirène dans une noix de coco. J'ai fait une noix de coco et après j'ai fait la sirène que j'ai mise à l'intérieur. Et il y a une petite breloque étoile de mer qui sert d'attache pour la bélière. Et c'est pareil, celle-là, cette petite sirène-là, elle est toute petite minuscule. J'aime bien faire les trucs petits, mini, rikiki. Je suis un petit peu trop économe sur les bords. Alors plus c'est petit et moins c'est, plus ça économise. Mais plus c'est galère à faire aussi. La dixième mademoiselle, c'est une petite sirène tout en blanc et un peu de transparent aussi sur ma canne Efeo que j'avais fait aussi en tuto sur ma seconde chaîne YouTube. Et bah j'ai utilisé ma canne O là dans ce petit camé là, mais je vais rajouter une petite sirène par dessus. Voilà, voilà. Voilà, et le voilà, il est de retour. Voilà, voilà. Il n'en reste plus que 4, donc voici la 11e, c'est la fée des papillons. Elle a plein de petits papillons autour d'elle. J'aime beaucoup celle-ci aussi. C'est tout trop choupignon. Trois dernières, c'est des personnages de Disney, donc on commence avec la première qui est Ariel, la petite sirène. Enfin, juste le portrait de Ariel. Voilà. Sur un petit camé. La suivante, c'est Madame Réponse. Madame, non, mademoiselle, elle est... Ah si, elle est mariée maintenant. Sur un petit estampe argenté. Et celle-ci aussi, elle est postée sur mon compte TikTok. Parce que sur TikTok, on n'est pas obligé de faire que des danses. Hein. On peut faire autre chose aussi. Bref, je dis ça, je dis rien. Et la petite dernière, là, je suis pas du tout fière de moi. Je l'aime pas vraiment. Je trouve que je l'ai foirée. Mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. Et j'ai voulu faire mon idole, ma chouchoute, ma préférée, la fée Clochette. Voilà. Mais non, je l'aime pas du tout, du tout, celle-là. C'est fait, c'est fait.
Et donc voilà en ce qui concerne mes petites mademoiselles. J'ai fait tout le tour de mes 14 petits bijoux. Un pendentif. T'as compris ce que je voulais dire. Voilà, c'est l'essentiel. Je quid. I want to break free. Elle se fout de ma gueule. Elle est en train de jouer à Fortnite, mais elle se fout de ma gueule quand même. Vilaine. Je suis un enfant battu. Ah bah oui, bien sûr. Saloperie, là. T'es sérieuse, toi? Oui. Oh mon dieu, j'en ai marre de ces gosses, putain. Pardon. Bref, du coup, voilà, j'ai fait tout le tour. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, plus ou moins. Et les oiseaux m'ont pas emmerdé aujourd'hui. Putain, j'ai pu faire ma vidéo tranquille. Ah non, il y en a une qui m'a fait chier quand même, là. Tu peux répondre présente. Présente. Ouais, là, c'est tout. C'est tout, tout. C'est tout. Voilà, c'est fini. Bon, bah, ça y est, je crois que j'ai fait tout le tour. Hein. Je me répète, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Non, mais depuis tout à l'heure, je cherche si j'avais pas autre chose à dire. Mais non, je crois que c'est tout. Hein. Donc, on va couper quoi à cette vidéo hein. Bah, voilà, qu'est-ce que je te dis. C'est fini. Alors, oui. Voilà. Donc, comme d'habitude, si jamais tu as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que si je peux le faire, eh ben ça sera avec le plus grand des plaisirs, faut juste être un petit peu patient. C'est comme pour la demande de commentaires. Je suis un petit peu longue à la détente, mais je finis toujours par le faire. Je n'ai qu'une promesse, j'ai qu'une parole. Tu peux être sûr. Je reviens jamais en arrière. Du coup, si jamais tu as des petites idées, bah, tu me le fais savoir. Voilà. Et dans tous les cas, bah, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle a été courte, hein. J'ai pas le temps là, je vois pas combien de temps ça fait. Bon, j'espère qu'elle est petite. Ça m'étonnerait. Bon, alors, du coup, bah, je coupe court, je l'ai déjà dit, je le répète, tant pis, c'est comme ça. Et je suis en mode wouhou! Donc, du coup, je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Je suis partie en freestyle dans cette vidéo, c'était le grand n'importe quoi. C'est clair. Mais t'as hâte de te foutre de ma gueule, toi? Mais elle est pas possible cette gosse! Aïe! Je me suis claqué la main! Je suis excitée là. Je sais pas pourquoi. C'est à cause des gosses. Vu qu'ils reprennent pas l'école, elles sont tout le temps dans mes pattes. Alors ça m'énerve. Alors du coup, bah, je pète un plomb. Là. Allez, le clap de fin. Mais non, attends, ça marche pas! Ah, il est beau lui.